Bonsoir, une nouvelle vidéo. On m'a posé une question sur YouTube concernant la possibilité de faire deux objets, deux dessins sur le même fichier Kanban pour un emboîtement de pièces. Je trouve que c'est assez sympathique, sauf si les pièces sont très complexes. Donc là, je vais vous présenter une boîte, le couvercle et la base en dessin. Voilà. Donc on y va. Donc sans titre, visibilité des parcours d'outils. Uniquement ceux qui sont sélectionnés pour plus de facilité dans l'affichage. Affichage, on affiche la largeur de coupe. Affichage, l'accrochage aux objets, non. À la grille, oui. Donc, je désactive l'autre. Ensuite, on va enregistrer notre fichier. Alors, enregistrer. Kanban, non. On va les faire un tour ici, 8. Loisirs, réalisation, et c'est le 31. Ah. 31, une boîte. Couvercle. Et le pot. On nomme le fichier Kanban, c'est fait. Alors, l'usinage, mon brut, j'ai une pièce de récup qui fait 15,5, donc 15,2, 15,5, je vais mettre 16 pour être sûr de passer à travers, de découper. C'est parti. Allez, on va imaginer une boîte, donc un rectangle. Alors, la hauteur, on va faire une boîte de 100 par 100 avec un rayon d'angle de 20 pour soyez plus affiné. Voilà. Alors, la pièce n'est pas centrée. Clic droite, transformer, aligner au centre et au centre. Le Z, je m'en occupe pas. Appliquer, fermer. On va redessiner un rectangle pour faire le centre. Pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus sympathique. À nouveau un rectangle, donc on va le mettre de 60 par 60 avec un rayon d'angle de 20 aussi. Clic droite, transformer, aligner au centre, appliquer. Voilà. Alors je vais faire dupliquer avec un réseau polaire, donc transformer, transformer, copier en réseau. Nombre de copies, je vais en faire qu'une seule. Ok. Le décalage de pas, on va le décaler de 45 degrés. Ok. Oups, ça n'a pas marché. Alors. On va dupliquer cette pièce et lui faire effectuer une rotation de 45 degrés. Droite, transformer, réseau polaire. Sélectionner le point central de la matrice. Donc on va tourner par rapport au centre ici. Donc je vais regarder les coordonnées ici pour les mettre en 0, 0. Voilà. Nombre de copies, une seule. Et on va faire un décalage de 45 degrés. Ok, voilà. Alors, on avait vu dans une précédente vidéo, on va couper aux intersections, édition, couper à l'intersection, le contrôle B au clavier, résolution en 0,1. Ok, et maintenant, on va supprimer. Voilà. On va resélectionner. Vous avez vu, j'ai corrigé mon affichage vidéo. Maintenant, j'ai bien la souris qui est en phase avec le point sélectionné. Alors, édition, joindre, contrôle G, 0,1, ok, et là j'ai bien un pôle et ligne. Voilà, j'ai ma pièce, donc on va imaginer qu'on aura un couvercle qui sera comme ça, avec la partie centrale qui sera sortante, et on aura le pot qui aura le même contour, mais par contre, cette pièce-là, elle sera en 30. Sauf que pour l'emboîtement, il faut prévoir des jeux. Alors, ici,
On va nommer la pièce. Non, on va rien faire, on le fera après, j'ai toujours un doute. Donc, clic droite, édition, décalage. Et on va faire un décalage de 0,2 mm. Donc, les positifs à l'extérieur et les négatifs à l'intérieur. Allez, on va le mettre en intérieur. Si je vais faire un zoom, on voit bien que j'ai bien deux pièces, une extérieure, une intérieure. Alors, la partie intérieure, ça sera le couvercle qui rentrera dans le pot. Donc là, j'ai la partie inférieure, intérieure qui est sélectionnée. On va faire par défaut, donc ici, nouveau calque. Alors, partie intérieure, c'est le couvercle. Et ben, on va créer un couvercle. Et cette pièce-là, cet objet-là, je le mets dans le couvercle. Si on veut voir les choses, on peut venir sélectionner ici la tête du calque. Et là, on a la possibilité de choisir une nouvelle couleur d'affichage. Voilà, on voit bien la pièce ici. Et l'autre ici en extérieur. On va jouer ici aussi sur la couleur, mais on va laisser. Pas trop de patchwork. Allez, maintenant, bah, on va faire un peu d'usinage. Alors, pour le couvercle, je vais devoir usiner de l'intérieur de la pièce ici à l'extérieur, donc faire une poche dans toute cette zone-là. Si je m'arrête à ce contour extérieur pour faire ma poche, je vais avoir les bords qui ne seront pas usinés. Donc on va prendre le contour extérieur et on va faire de nouveau un décalage. Alors le décalage vers l'extérieur, donc un nombre positif, et on va le décaler. La fraise va faire 3 mm, donc je vais le décaler du rayon de la fraise, donc de 1,5 mm. C'est fait. Voilà. Et ben on y va, on va usiner. Alors, si je prends ça et ça, je vais faire une poche. Alors la poche, elle va descendre de combien? On va la faire descendre, donc on va voir. Donc le diamètre d'outil, on a dit 3 mm. C'est une forme cylindrique. Et on va descendre. Allez, on veut que le couvercle, le plot central rentre de 2 mm dans le couvercle. Donc on va descendre de 2 mm. Et on va faire des incréments de passe de 2 mm. On va faire 3 mm en entrée. Alors, incrément de passe 3 mm, sauf que je veux un incrément de dernière passe de 0,5 pour avoir quelque chose de propre. Et là, on descendait de 3 mm. Voilà. Et je vais faire une entrée en spirale, ce qui est assez joli et qui évite des efforts sur la fraise. C'est fait. CTRL T. Et là, il ne se passe rien, je ne vois rien. Pourquoi? Parce que je dois sélectionner mon groupe d'usinage pour voir les choses. Donc là, c'est pas joli les usinages, vous avez vu. Il travaille un peu là, ici, il revient faire des choses ici. J'aime pas du tout. Donc on peut jouer sur différents paramètres d'usinage. Et là, on a le style de remplissage de la région. Et là, on va lui demander de faire un décalage intérieur. CTRL T pour refaire le calcul d'usinage. Et voilà. Donc il part du centre et il va vers l'extérieur, ce qui fait quelque chose de beaucoup plus joli. Cette partie-là est faite. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et bien, une fois qu'on va avoir fait ça, il faut découper notre pièce. Donc là, on sélectionne ce contour-là et on fait un contour extérieur, bien entendu. Le diamètre de l'outil, on va continuer sur 3. C'est toujours du cylindrique. Et là, on va descendre à moins 16 et je vais passer par passe de 3,5. Entrer dans la matière avec une spirale. Alors, quand je vais découper, il faut que je pense à laisser des micro-maintiens afin que bah, la pièce ne se sauve pas et éviter de la tenir comme un sauvage comme j'ai tendance à le faire. Alors, gestion des attaches. Donc, toujours on est dans le contour. Gestion des attaches. Méthode automatique. Largeur d'une attache, on va dire qu'elle fera 2 mm et hauteur maximum 2 mm. Nombre d'attaches, mini 4, maxi 4. Et je fais des triangles. Voilà, CTRL T, les attaches apparaissent. Alors avec la molette de la souris, hein, je tourne pour avoir un zoom. Donc on en met une ici, et une ici. Ah oui, pour répondre à Cédric que j'ai vu cette semaine, il faut que j'achète un micro pour éviter d'avoir le souffle du ventilateur de mon ordinateur portable. Ça, c'est fait. Tout est placé.
Donc là, ici, on est d'accord que le groupe, on peut le nommer. Et ça va s'appeler, allez, 0,10 pour la phase, et c'est le couvercle. Voilà ma première pièce effectuée. Si je veux avoir un nom de fichier à part, je vais dans Fichier G-Code. Comme j'ai déjà fait une sauvegarde, je clique là et je fais enregistrer. Et là, il va m'appeler le nom de fichier de G-Code, donc boîte couvercle 0,10 couvercle. C'est fait. Je vais faire un. Et alors, clic droite, copier, clic droite, coller. Ici, je vais renommer en 0,20 et je vais appeler ça le pot. Je viens ici, je vais tout supprimer. Je reviens là, sortir de la sélection et je vais régénérer un nouveau nom. Donc, j'ai fin la phase 20 pot. Voilà. Ça me permettra d'avoir un fichier pour le couvercle et un fichier pour le pot. Je suis toujours dans un seul dessin de Canva. C'est parti. Sauf que là, j'ai conservé la poche. La poche est fausse. Alors plutôt que d'essayer de la reprendre, de prendre les bonnes valeurs, je vais la supprimer. C'est beaucoup plus simple. Par contre, le contour, lui, c'est toujours le même, puisqu'on a des pièces qui s'alignent parfaitement sur les extérieurs. Alors, pour la poche, on va prendre le contour extérieur. Et on va faire une poche. Diamètre de l'outil, 3 mm. Nous sommes toujours sur une fraise cylindrique. Ensuite, les incréments de passe, allez, 3,5, on a mis tout à l'heure. Alors ça, c'est complètement arbitraire, hein. Ça dépend de mes humeurs plutôt que de la matière. Enfin, je fais attention à la matière quand même, et là, dans du bois, on va pas se faire de mal. Incrément dernière passe 0,5 pour avoir une passe de finition et profondeur finale. Donc, si j'étais à 15,5 en brut, je vais descendre à 14. 14, il me restera 1,5 mm. Ouais, si je vois clair. Ok, entrée dans la matière, on va continuer à faire de la spirale. Allez, CTRL T pour voir un peu la tête de l'usinage. Voilà, c'est assez joli. Alors, j'ai un petit problème quand même là, c'est que j'ai pas fait attention. Le curseur vert ici indique le groupe d'usinage sur lequel on travaille. J'aurais dû venir ici, faire un clic droite, définir comme le groupe courant. Voilà, le curseur est ici. Donc la poche 2, elle est ici. Je vais l'amener là. Alors attention, si je la mets après le découpage de la pièce, ça ne marchera pas. Je vais la mettre juste avant qu'on voit le trait qui se positionne. C'est fait. Donc là, affichage réinitialisé. Ou alors, moi c'est Alt avec clic gauche, ça fait la même chose. Voilà, vous voyez, j'ai Alt, clic gauche, je bouge. Donc là, je suis à l'envers. Double clic gauche en maintenant Alt appuyé, ça recentre ma pièce. Donc CTRL T pour refaire mes calculs d'usinage. Donc là, mon couvercle est là et le pot est ici. Allez. CTRL S pour sauvegarder et CTRL W pour générer les parcours d'outils. Voilà pour cette séquence. Maintenant, je vais passer à l'usinage. Ça y est, le brut est fixé, le zéro est réglé, le programme est chargé. Donc, je vais commencer par usiner le couvercle. Donc, les paramètres de la fraiseuse, je suis réglé à 3,5. Alors, 3,5, ce qui nous fait entre 12 et 16 000 tours, on va dire 14 000 tours pour faire simple. C'est une fraise spéciale avec plein de petits crocs partout que j'aime bien pour le bois. Par contre, elle a un défaut, elle siffle. Vitesse d'avance, on est à 800 mm par minute. Et ben, on va lancer un peu le programme pour usiner déjà notre couvercle. Thank you.
Un peu de calme. Bon, ça y est, la première pièce est prête. On va finir de la découper à la main. Il y a les micromachins qui font bien leur effet. Ça y est, on va le couper. On va 2. On va 3. Et on va 4. La pièce est sortie. Alors c'est ça que j'aime pas dans les micromachins, c'est que ça laisse toujours une petite crotte ici, sur la surface visible, dans cette pièce-là. Alors, je vais ramener la pièce au zéro, la fraise au zéro. Un peu ma fraise. Et je vais la déplacer de 100 mm axe-axe, ça me paraît juste. On va mettre 120. On fait le zéro. Je vais refaire un zéro. Comme ma table n'est pas parfaite, il y a pas mal d'usinage dessus. Le martyr a beaucoup souffert. Alors les marques que vous voyez dans la plaquette, c'est quand j'oublie de relier la masse. Voilà, c'est fait. On charge l'autre programme, on ne va pas faire deux fois la même pièce. Et cette fois-ci, on fait ce que j'ai appelé simplement le pont. Donc toujours les mêmes paramètres de vitesse, c'est reparti. Voilà, et l'emboîtement, il est là. Donc il y a du jeu, hein. On avait mis 2 dixièmes, mais c'est 2 dixièmes de chaque côté, donc ça fait 4 dixièmes de jeu. Mais bon, voilà. Alors j'aurais pu améliorer un peu mon système, à savoir que lorsque cette pièce était encore là, avant de la découper, j'aurais dû faire un deuxième programme, un pour la poche et un deuxième pour la découpe. Et comme ça m'aurait permis, avant de faire le changement de programme, un test d'emboîtement. C'est surtout intéressant si vous montez des roulements, que vous voulez des ajustements assez serrés. Dans ce cas-là, vous faites un test d'ajustement. Le roulement monte, c'est bon, vous faites la deuxième phase, vous chargez le nouveau programme, vous faites la découpe. C'est pas bon, vous pouvez faire une reprise pour faire un tirage très très serré si vous avez des problèmes avec votre CNC. Vous voyez, c'est quand même ma petite CNC, elle tient la route. Eh ben, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère avoir répondu à la question de Jean. Si ça vous a plu, pensez à liker, à partager et puis à faire des commentaires pour que j'améliore encore mon système. Et ben, à bientôt dans une autre vidéo.